Breaking news, l'information est parue aujourd'hui. Voilà, le TT vise l'Uruguay pour développer des solutions de mining de Bitcoin. Voilà, ça c'est une très très bonne nouvelle. Donc, et c'est du Bitcoin durable, c'est du mining durable. Donc, l'émetteur de stablecoin USDT, TT, compte étendre ses opérations en Uruguay. Or, le pays d'Amérique latine a été choisi pour développer des moyens de production d'énergie durable avec également des fermes de mining de Bitcoin. BTC serait un nouveau cap pour l'entreprise, les gars. Donc, c'est une information de détail. Donc, je vous invite à aller prendre connaissance de cette information. Voilà, donc il suffit juste de vous connecter sur notre Telegram. Voilà, pour avoir l'intégralité de l'information. Car aujourd'hui, l'information nie à celui qui ne l'a pas. Qui détient la bonne information détient le pouvoir. Il faut savoir que le TTR également, c'est l'un des premiers stablecoins les plus utilisés. Voilà, nous allons aller voir cela rapidement. Vous savez que moi, j'aime toujours parler avec des éléments à l'appui. Voilà, lorsqu'on vient ici, lorsqu'on vient là en termes de, en termes, voilà, lorsqu'on vient là, non, je vais aller au niveau des mois, au niveau des mois, non, au niveau des, au niveau de l'année, non, au niveau de la capitalisation. Voilà, on voit très très bien que en termes de capitalisation boursière, voilà. Donc, après le Bitcoin, c'est l'Ethereum. Après l'Ethereum directement, vous voyez très très bien ici que c'est le TTR. Voilà, le TTR, l'USDT. Voilà, l'USDT, voilà, c'est le deux, c'est le troisième. Après vient comme ça le BNB en termes de capitalisation. Après vient comme ça l'USD, le stablecoin de Coinbase. Voilà. Après, on vient sur le Ripple. Voilà. Après vient le Doge, après le Doge, c'est le Solana. Après le Solana, c'est le Ada. Après Ada, maintenant, c'est le Litecoin. Voilà, ce sont les anciennes crypto-monnaies. On vient maintenant trouver le Dot ici. On vient trouver le Shiba. On vient trouver le Tron. Voilà, le Tron, mais après, on vient trouver le Matic. Après, on vient trouver le BTC Cash, le Bitcoin Cash. Voilà, après, on vient trouver ici Avas. Voilà. Donc, les gars, ceux qui négligent le Tron, lorsque le Tron doit commencer à se déployer, ce sera la catastrophe. Parce qu'actuellement, le Tron est à 0,06. Lorsque le Tron sera à 1 dollar, il va créer pas mal de millionnaires et de milliardaires. Donc les gars, je vous invite à prendre, à vous pencher là-dessus, à prendre connaissance dessus là maintenant. Donc, lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo à l'échelle internationale afin que nous n'ayons. Merci et très bonne soirée, très bonne journée. Bye bye. Et puis c'est tout. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo à l'échelle internationale. Bye bye.